Le prix du meilleur long métrage est décerné à Vitis Prohibita de Stéphane Vallée. Produit par l'association Lumière du groupe. Merci. Merci. Voilà. D'un tout petit coin des Cévennes en France et nous fait voyager jusqu'aux États-Unis pour nous apprendre avec précision, détail et intelligence ce qu'est un cépage résistant ou une vigne hybride, mais aussi ce qu'est un acte de résistance, un acte de responsabilité, un acte de liberté, un acte d'amour pour le vin. Voilà un film avec des vignerons à qui on a dit que le clinton rendait fou alors qu'il n'était pas fou du tout. Car est-ce que c'est fou de ne pas vouloir arracher des vignes que eux, leur père et leur grand-père avaient plantées et cultivées et qui donnaient encore le raisin de leur vin? Car est-ce que c'est fou de ne pas céder à l'intrusion de l'administration et de la politique dans l'agriculture quand on a la conviction absolue que l'écologie viticole passera par les vignes hybrides? Voilà un film qui nous a fait rire et qui nous a émus aussi, et qui, en parlant du passé et du présent, nous parle surtout de l'avenir.